Une petite vidéo de comparaison entre un Amiga 2000 avec un Perstorm sous EMU 68 et un Amiga 4000 avec un 68060 à 50 MHz. Je vais comparer le logiciel Real 3D 1.3. C'est une version que j'ai un peu utilisée sur mon Amiga 500. La scène que j'avais calculée était faite par moi il y a 29 ans. Je lance donc Real 3D. Et je charge la scène. C'est un bureau avec une lampe. Cela fait partie des choses que j'ai récupérées de mon premier disque dur HD8+, de mon premier A500. Alors l'utilisation de Real 3D est bien partie de ma mémoire. Je vais débuter cette comparaison avec l'affichage en fil de fer. Je vais jouer l'animation. Le 2000 avec EMU 68 prend tout de suite un peu d'avance sur le 4000 060. Mais au final, ce n'est pas trop flagrant, un peu plus rapide tout de même. Pour deux diffusions de l'animation, il y a 2 secondes d'écart en faveur d'EMU 68. Je me repositionne sur la première image de l'animation. Je vais faire le rendu de cette image seulement. Je ne change rien au réglage, ils sont identiques sur les deux machines. Je lance le rendu. Il manque une image qui se trouve sur le bureau. Pas grave, je calcule 100. EMU 68 prend tout de suite un avantage. Le haut de la lampe commence déjà à s'afficher. Sur le 4000, elle débute seulement. Voilà, le 2000 avec le Perstorm sous EMU 68 a fini. Le 4060 n'en est qu'à la moitié à peu près. Il y a pas mal de défauts. La lumière de la lampe est bien trop forte. Sur le bureau, j'avais mis une image et un verre par-dessus. L'image qui manque, c'est donc celle-ci. Je ne sais pas pourquoi il y a tant de points sur le sol. Et franchement, j'ai oublié comment on utilisait Real 3D depuis le temps. Ça y est, le 4000 a fini en 2 minutes 10 secondes, alors que le 2000 a mis 37 secondes. Il n'y a pas photo sur le temps de calcul. Voilà une comparaison entre EMU 68 et un 68060 qui se fait battre à plat de couture. Pour le plaisir, j'ai fait calculer l'animation en 2000 sous EMU 68. Je la mets maintenant pour le plaisir, en fil de fer, puis en 24 bits.